C'est une collection en fait de 10 simulateurs qui permet de recréer virtuellement eh bien, ce que les infirmières et les infirmiers auront dans leur pratique au quotidien. Ça permet effectivement à l'étudiant de travailler, de s'entraîner et du coup d'être beaucoup plus efficace et sans risque pour le patient. On voit nos erreurs, on voit ce qu'on a oublié, c'est vraiment enrichissant. On a plusieurs missions qui sont inscrites dans notre feuille de route santé et dans le schéma des formations sanitaires et sociales. Ça va être d'abord de financer le fonctionnement des instituts de formation sanitaire et sociaux, c'est-à-dire les infirmières, les kinés, les auxiliaires de puéricultrices, les assistantes sociales, voilà, tous ces métiers du sanitaire et du social. Et dans les financements, dans le fonctionnement, effectivement, c'est le souhait de les amener toujours à plus de qualité et à plus d'innovation.